Vous êtes bien sur la fréquence Indurolyste. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet, indurolyste.net évidemment. En attendant, nous étions notre saison de dragons et Arthur et son groupe, après avoir vaincu Mathilda et l'oursibou, n'a pas encore la solution sur la malédiction qui touche le village de Froidegorge. Néanmoins, nous allons sûrement assister à un porte-monstre-trésor. Que vont-ils trouver ? On va rentrer dans les locaux et fouiller les locaux du les quartiers du truc. Ok. Alors, attention, on fouille. Ouais. On fouille et un on fouille avec. Porte bon ses trésors. Ah, c'est un donjon. Ah putain, j'aurais jamais cru. Ok, donc. Non. Alors vous arrivez. D'abord, je redécris la scène au niveau du. Là où ça tournait, en fait, à l'entrée. Donc, effectivement, il y a sur ce sol ce cercle et ce sorte de logo, symbole sur le truc. Là où était la créature, l'oursinou, qui clairement c'est son nid. Hein. C'était fait, il y a des sortes de branches d'ibis, ben ça. Vous trouvez des restes des personnes qu'elle a bouffées, avec des morceaux d'os et tout ça. Sur les murs, il y a une sorte de. Pas fresque, mais d'assemblage de symboles, trucs comme ça, sur le mur, côté montagne. Et puis derrière, effectivement, il y a une porte fermée qui doit donner sur les appartements du gardien. Donc, étant donné qu'on est trois personnes qui ont des connaissances sur la magie, est-ce qu'on peut regarder ces symboles pour savoir Bien sûr. À quoi ça correspond ? On va commencer par ça. Ok. Je fais les jets d'arcane pour Tanel et pour Cave. Non, plutôt un jet d'arcane avec un seul jet d'arcane avec avantage, comme ça. Ok, vas-y. Alors, c'est toi qui le fais. 12 plus 5, 17. Donc Arthur, Tanael et Cave comprennent facilement l'utilisation de ces symboles, mais chacun avec leur perception et leur éducation différente. Pour Arthur, avec les flux qu'il ne maîtrise pas encore, il ressent la magie de ces symboles et comprend que c'est un panneau de contrôle. C'est clairement l'endroit qui sert à piloter le monte-charge. Donc le cercle avec ce symbole, c'est le monte-charge qui monte effectivement. Là, à cet endroit-là, il y a un puits. Ce n'est pas, ça s'arrête à 2 mètres, ça a l'air d'être un puits, et le sol commandé par ce panneau de contrôle monte et amène à l'étage supérieur. Et c'est ça, le passage de Froidegorge. Super. Donc, et on a compris son fonctionnement, on serait capable de l'activer. Il faut encore travailler un peu, mais oui, vous serez capable d'activer. En tout cas, vous avez compris qu'il fallait être éveillé à la magie pour pouvoir le piloter. Ouais. Vous avez compris qu'il faut utiliser les bons symboles pour faire ça, quoi. Ouais, il y a Tanael pour ça. Voilà. D'accord, donc rien à voir avec la malédiction, ça c'est le mode charge. Ok. Du coup, on va se diriger vers les quartiers du gardien. Donc il y a une porte massive. On ouvre la porte. La porte s'ouvre, elle n'était pas fermée. Ça donne sur un espace de vie. Il y a de la lumière qui pénètre, une sorte de puits lumineux au plafond. Sur la côté gauche, une sorte d'espace cuisine. En face de vous, une sorte de rideau un peu épais sur une moitié de la pièce, donc qui coulisse en fait sur le plafond. Et de l'autre, une pièce avec une porte aussi qui a l'air fermée. Ben on a du temps, hein, donc on va tout fouiller. Ça va être très simple. Donc si vous commencez par la partie à droite, derrière le rideau qui coulisse, c'est une chambre. Avec est-ce qu'il y a quelqu'un dedans ? Non, il n'y a personne dedans. Il y a des... qu'on appelle ça ? Des bibelots, des choses comme ça, mais personne dedans. D'accord. Et donc, et la porte, et l'autre porte, qui est fermée ? Et l'autre porte, vous l'ouvrez aussi. C'est un bureau. D'accord. Avec des écritoires, et des choses comme ça. Ok. Donc on va faire deux choses. Cave, elle va lancer détection de magie.
Qu'est-ce qui est magique dans tout ce complexe-là? Bon, à part les symboles, parce que clairement les symboles ils sont magiques. Alors, ça dure combien de temps de détection de la magie et quelle distance et 10 minutes et elle peut okay. se déplacer et puis elle peut. Bon, elle a largement le temps de faire le tour du propriétaire. Donc il n'y a rien de magique. Si, attendez une question, c'est juste un exemple anodin. Un parchemin de sort, c'est magique ou pas? Tout à fait. Si c'est derrière un mur, est-ce qu'elle le perçoit ou pas avec détection de magie? Ça dépend de l'épaisseur de la pierre. Une pierre standard de... Ah ouais, bah une pierre naine standard de 1 mètre. 90 cm de bois ou de terre, 30 cm de pierre. Donc 30 cm de pierre, ok, donc non, elle ne repère pas ça. Ok, donc il n'y a rien dans la pièce. Il n'y a rien dans la pièce, ok. Et dans le bureau et dans le... Et dans la chambre, le bureau, la cuisine, il n'y a rien de magique. Okay. La seule chose magique dans tout le secteur là, c'est le panneau de contrôle. D'accord. Bon, ben, je regarde les écrits. Pendant qu'elle fait ça, moi je regarde les papiers. Ok, vas-y, fais un petit jeu d'investigation. 10 plus 5, 15. Alors, qu'est-ce que tu trouves de beau? Tu vas trouver, je crois, cela. Que vais-je trouver? Donc, parmi tous les papiers, en fait, il y a plein de choses entre guillemets inintéressantes. Tu as juste rapidement repéré qu'il y avait des papiers qui devaient être du gardien, qui parle des journées passées, tu vois, un peu une sorte de compte-rendu, en fait, de vie. Mm-hmm. Mais tu as brièvement passé ça. Il n'y a pas de détails sur ce qui se passe. C'est juste voilà, journal classique, quoi. Et puis une autre partie de papier, plus un autre type d'écriture, avec des papiers qui étaient soit frassés, soit déchirés, voire brûlés. Donc, par contre, tu as trouvé dedans donc, deux papiers qui sont intéressants. Mm-hmm. Ce sont des trucs que tu as gardés qui sont plus intéressants, qui te paraissent plus intéressants dans ton investigation. C'est deux parchemins, un qui a été abîmé, qui a été un peu brûlé, mais que tu as retrouvé avec une sorte de belle écriture quand même, et qui comporte une sorte de sceau avec des lettres enchâssées, engravées dedans, un W et un M. D'accord, note Mathilda. Sécurisé par tous les moyens, le passage. Seuls nos alliés doivent pouvoir passer, je vous ai envoyé du renfort pour cela. De plus, préparez une plus grande quantité de peste noire en vue de la prochaine étape. Ne me décevez pas, comme la dernière fois, avec cet verre du Val Boisé, signé WM. Ok, donc là, il y a une conspiration, il y a un complot. Donc ça, c'est la première note. Et la deuxième note, c'est... Cela fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles. J'espère que tout se passe comme prévu. Je n'aimerais pas qu'il en soit autrement. Notre commanditaire attend que vous fassiez la livraison comme la dernière fois, mais avec notre nouvelle recette. Même lieu du Garda. Le récipiendaire se nomme Elle et il aura la marque. Alors ça, c'est la partie Elle, j'imagine que c'est la partie qui a été brûlée. Ouais. Signé toujours WM. Et il n'y a pas de date, donc tu sais pas dans ce que tu as trouvé qui t'ont paru intéressant, tu sais pas lequel est le premier par rapport à... Enfin, s'il y en a un par rapport à l'autre, un truc comme ça, quoi. Et tu peux faire un geste d'intelligence ou d'histoire, au choix, là où t'es meilleur. Tu peux aussi Tanel, tu sais, vous pouvez faire un truc commun entre Tanel, comme t'as fait tout à l'heure, quoi, un jet commun. Donc j'ai avec avantage, histoire. Voilà. Alors histoire avec avantage, le plus haut c'est 5, plus 3, 8. Bon mais ok, non ben voilà. C'est... on peut pas briller partout. Non, on peut pas briller partout. J'ai quand même fait pas mal de manger quand même. C'est pour ça que je dis ça. Donc, sommes-nous convaincus d'avoir tout fait? Je sais pas, ça vous... Est-ce qu'on a tout regardé dans ce que tu nous as décrit? Bah, a priori, vous avez regardé un certain nombre de choses, oui. Ok, donc, voici ce que nous allons faire. Donc, déjà, on a bien compris que c'est Mathilda qui prépare la peste noire, et c'est pour ça que truc. Donc là, il va falloir trouver un moyen de soigner les gens. Et de... La deuxième chose, c'est que on a un parchemin avec qui donnait des ordres à Mathilda, ok? Et il s'avère que Cav, c'est là où tu vas voir, t'as un joueur intelligent, Cav a un sortilège qui s'appelle Réparation. Réparation, bah oui, je me doutais bien. Et donc elle va faire réparation sur le parchemin, parce qu'il a brûlé. Alors est-ce que, mais par contre, je sais que c'est un peu stretch, est-ce que ça répare le parchemin et ça remontre le reste de l'écriture? Ça va juste réparer le parchemin, je pense. Je vais lire ce qui est écrit, mais à mon avis, c'est plutôt ça qui va se passer. Mais réparer, ça veut dire débrûler. Ça mérite un jet d'inspiration, quand même. Ouais, non, ça n'a pas l'air de réparer les trucs.
Ouais, je pense que bah, si ça va réparer ça va refaire un peu. Il y a marqué, ce sort répare une fêlure ou une déchirure de l'objet touché, comme un maillon brisé de moitié, une clé, une cape déchirée ou autre pièce. Donc ça va remorcer certains morceaux de la feuille, mais ça ne remet pas le texte dessus, quoi. D'accord. Bon, ben voilà. Et ensuite, les lambeaux de cap. Bah c'est pareil, ça refera pas la cape. Ça valait le C'était coup quand bien même de tenté. l'essayer. Exactement, tout à fait. C'est pour ça que ça mérite un point d'inspiration. Ben voilà. Donc là on a fait tout ce qu'on voulait. Le problème, c'est que on pourrait se partir, mais on est toujours maudit. On a toujours les cercles noirs. Pour l'instant, oui. Donc il faut retourner au village. Et bon, déjà la prochaine étape, c'est aller parler avec le bourgmestre, raconter l'histoire. J'ai des preuves pour Mathilda, j'ai des colifichets, donc je pourrais prouver que c'était bien elle. Et ensuite, on va y fouiller la hutte de Mathilda pour voir si on peut trouver les réserves de peste noire et éventuellement faire un contrepoison pour tout le monde. Donc on y va. Brrr, le bateau, le truc, le machin. Très bien, le bac et tout, machin, vous arrivez. Ça. Donc il y a Jimmy qui est avec vous, vous l'amenez aussi dans la ville. Non, non, non. On passe le bac et puis on le relaisse dehors. Je lui explique. Ils vont avoir peur de toi. Ils sont pas gentils. T'as bien mangé. Tu nous attends, ok? Vous faites traverser ou vous le laissez sur l'île? Non, on le laisse pas sur l'île, non. Non, non. On le remet là Est-ce où il que. était, là où on avait trouvé de la cave Donc, où on l'avait caché et tout. dans la forêt, il est dans la forêt, C'est vous ça, il allez est dans la sur la forêt. forêt. Et je dis, si tu trouves l'ours Sibo, amuse-toi avec. Vous l'aviez attaché dans la C'est ça, forêt. il est attaché dans la forêt. Donc, il va pas trouver l'ours hibou s'il est attaché Mais peut-être que l'ours Sibo va venir avec, va venir à lui. Ah oui, c'est plutôt l'ours hibou qui va le trouver. C'est là-bas, c'est Jimmy. Jimmy là-bas. Ok, dis donc le pauvre. Ok, donc ça prend un certain temps tout ça aussi. Hein. Donc là, vous étiez parti le matin, on va dire que c'est la fin de matinée quoi. Ouais. Au moins la fin de matinée quoi. Donc vous revenez vers le village, le centre-ville. Vous allez directement avant d'aller voir le bourgmestre, vous allez On voir va directement dans directement chez la. Mathilda, Ok, donc tu vas chez Mathilda, donc tu l'avais suivi, donc tu savais, tu avais repéré ça, ok, donc vous arrivez dedans, ok, qu'est-ce que. enfoui. Enfin, j'ai d'investigation alors. Ouais. Vin naturel. Pouf! Donc vous retournez la C'est Casbah. ça. Vous êtes certain d'avoir tout trouvé. Vous trouvez un kit d'herboristerie. Ok. Bon, il y a certains. Tu penses qu'il a l'air en bon état, puisque toi qui connais bien. Par contre, la codification, c'est pas celle standard, donc il faudrait peut-être faire être un peu vigilant, mais ça. Il a l'air utilisable, quoi. Pour peu qu'il reste bien conservé. Et D'accord. rien d'autre. Et pas de traces de la peste noire, pas de. Non. C'est pas possible ça. Qu'est-ce que vous faites? Ben du coup on va aller voir le bourgmestre. Y avait rien d'autre? Eh ben attends, on a fouillé, mais Cave elle va relancer détection de la magie dans cette pièce, dans la chaumière au cas où il y aurait des trucs magiques. Rien de magique. Ça, tu nous aides pas, hein? T'as pas toujours tout avoir plein de trucs magiques, t'en as déjà eu plein. Pas tout Tu magique. m'as piqué ma cape. Tu m'as fait brûler ma cape. Je t'ai piqué ta cape. Ah ben tiens, je lui montre les objets qu'elle avait sur Mathilda, ce qu'elle avait sur elle, puisque je les ai tous mis dans un sac. Y a rien qui sort de magique. L'anneau, les machins, les colifichets, rien du tout. Non. Très frustration! Est-ce qu'elle avait au moins de l'argent dans sa baraque? Vous ferez quelques pièces d'argent, ouais. Combien? Ah, c'est vrai, ça j'aime bien pour Arthur. Il y a exactement, je te dis ça de suite, j'avais noté 12 pièces d'argent et 50 pièces de cuivre. Eh ben je les prends. Bah, bien sûr, un sou est un sou, mon ami. Il faut, on Ah, a et des frais. d'ailleurs, On a des frais. oui, exactement. Non, je vais pas le faire comme ça. Puisque Arthur, enfin, il est pas éveillé, mais il compte les flux, tout ça. Donc il a quand même fait le travail pour apprendre des sorts et tout. Quel sort il serait amené à lancer, à vouloir incanter naturellement, un truc comme ça, tu vois? Même s'il s'entraîne ou de temps en temps, pour se rappeler par mémoire, un truc comme ça, ce serait lequel qu'il ferait? Son sort ou sur lequel il s'entraînerait le plus, Ouais. ce serait c'est un peu difficile comme question là ce que tu es en train de me poser. Ok, mais tu y réfléchis. Non, disons que ce serait probablement le seul sortilège de nécromancie qu'il a.
Parce que sur les trois sortilèges de niveau 1 qu'il a, il n'y en a qu'un seul qui est de nécromancie, donc j'imagine que ce serait celui-là. Même si ce n'est pas mon préféré, ce serait celui-là, et ça s'appelle Simulacre de vie. Simulacre de vie, attends, qu'est-ce que ça fait Simulacre de vie? Ça te donne des points de vie temporaires supplémentaires. À celui qui incante. C'est ça. Ok, nickel. Bien, donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir le bourgmestre, vous faites autre chose chez Mathilda. T'as retrouvé aussi tous les ingrédients que vous avez préparés pour la potion revigorante et tout ça, voilà. Et rien d'autre. Ben, le truc, c'est que je pensais trouver un indice ou un papier qui me parlerait de la peste noire, et il n'y a rien du tout, quoi. Là, on a fait chou blanc. Donc, il faut aller parler avec le bourgmestre, il faut lui demander... Je vais, une fois de plus, le fossoyeur est très honnête, donc ça n'a pas l'air, mais si, il est très honnête. Et donc, il va aller parler au bourgmestre et il va raconter l'histoire. Ouais. Il va montrer les parchemins qui ont été trouvés. Et il va dire que on sait que ben on a découvert que Mathilda travaillait avec elle. Bon, on y va. Et donc Arthur dit. Donc on a. Tu parles devant le bourgmestre, ouais, pas de problème. Devant Achille, je crois que j'avais nommé. Achille. Hein. Et je lui demande si WM c'est des initiales qu'il connaît. On va commencer par donc, ça. Déjà, il est hyper choqué par la nouvelle et tout ça parce que ça faisait quand même quelques années qu'elle était là, quoi. Mm-hmm. Après, effectivement, des fois, elle était un peu bizarre et tout, mais. Et VM, il est WM, il connaît pas du tout. Tu lui montres les lettres? Oui. Oui, je lui montre les lettres. Ça parle d'un truc qui s'appelle Garda. C'est où Garda? Ah oui. Attends, je lui fais pour lui. Je vais voir. Bon, c'est bon. 20 nattes en plus. Garda, c'est un quartier de la Cité Franche. Ah, super. donc ça, il sait. Et pour la mention là, de l'adver qui est passé du voile boisé, ça lui fait penser à une verre qui est passée il n'y a pas très longtemps. Il y a moins d'un mois qui est passé par là et il y avait un peu des esclandres avec Mathilda et tout ça, mais rien de plus, quoi. Est-ce que ce serait l'adver que je cherche? Parce que moi aussi, je suis à la recherche d'une verre. Oui, c'est pour ça. Donc, il l'a décrit. Attends, il va faire un petit jet juste pour voir s'il est... Ouais, non, c'est bon, il est malin. 15 et quelques à son truc. Il te fait une description de ce que tu as entendu. Oui, ça ressemble à l'archimagistère toute mal. D'accord. Donc, l'archimagistère, elle est passée par là. Et ouais. Mathilda, elle a été démêlée avec elle. Ouais. Et ça s'est passé avant que la malédiction tombe sur le village et que... Voilà. D'accord. Bon. Toujours le... La trace noire autour du cou. Ouais. Donc je dis à Achille donc que Mathilda préparait probablement une potion ou de la maladie peste noire. C'est écrit, si tu as montré les textes, c'est marqué, il a vu la peste noire. Hein, ouais. Donc est-ce qu'il aurait une idée ou c'est qu'on pourra la trouver et est-ce que le village a plus d'un seul puits? D'un seul puits? Pourquoi un puits? Pour l'eau. Ah. Non, le village n'a pas de puits, mais dans la maison des Hurons, sur la voie de Blomel, oui, il y avait des puits aussi. Donc le village prend son eau d'où? Les habitants du village, ils vont puiser l'eau où? Bah, nous, on puise, il y a le lac. Vous buvez l'eau du lac? Bah oui. Puis il y a sûrement un puits dans la ville aussi, je pense, on va dire. Voilà, ouais, bon, comme le maître de jeu, il s'en souvient pas, même pas en rêve, elle a empoisonné le puits, parce que sinon, tu le saurais. Donc pour faire de Vétageux, l'idée suivante de Fossoyeur, c'était que elle avait mis quelque chose dans l'eau du puits qui empoisonnait tout le monde, d'où la malédiction. Tout à fait, ouais. Et donc ils vont vérifier. Ils auraient pu vérifier, non. Trouvant rien dans le puits. C'est pas exactement. Ouais. D'accord. Comment il va, Abel? Il va toujours aussi mal? Ça va mieux? Ben, vous l'aviez stabilisé, donc il a toujours la marque et tout ça, les blessures chancreuses, mais. Parce que là, on va tous mourir, quoi. Donc il faut. Ouais. Et tous mourir. Donc je demande à Achille, qui c'est qui connaissait le plus Mathilda, qui c'est qui l'a fréquenté le plus, et qui serait capable, ayant cette connaissance que c'est elle qui rendait tout le monde malade. Parce que moi, Mathilda, elle m'a même, je l'ai rencontrée, mais et à peine je l'avais rencontrée que j'ai commencé à avoir la malédiction. Donc il y a quelque chose. Est-ce que Achille, il a une idée de quelque chose de particulier? Fais un geste. Arthur peut se poser une question médecine. Faire un jet de médecine. 10. Il se poserait bien la question d'aller revoir sur Mathilda. En fait, il sait qu'il y a aussi il y a l'ingestion qui peut donner des poisons, mais il y a aussi le contact avec la peau.
Et peut-être qu'il y a quelque chose qui a été, il a été touché par quelque chose. Mais, tu veux dire Mathilda, le cadavre de Mathilda? Ouais. Il y en a plus. Il est dans le ventre de Jimmy. Non, il a pas tout mangé. J'ai dit, il a mangé, il s'est rassasié. Et le cadavre, il est, il a laissé une partie. Ok, donc il faut retourner à la. Allez là. De toute façon, on n'a pas d'autre idée. Donc. Je sais pas là. Non, non, t'as raison. Allez, on y retourne. Donc vous êtes reparti, tu refais un jet d'investigation sur Mathilda. Kala ne peut pas faire un truc. Elle a un truc qui s'appelle détection des poisons et des maladies. Ah bah elle peut faire détection des poisons et maladies. Voilà. Elle l'avait déjà fait, non? Mais elle l'a fait sur nous, mais elle l'avait pas fait sur Mathilda. Ah oui. Donc là, si elle le fait sur le cadavre de Mathilda. Ouais. Donc Mathilda n'était pas. N'avait pas de poison maladie. Par contre, sur, au niveau de ses mains, il y a des traces résiduelles de poison, mais c'est un peu bizarre comme, comme signature, elle dit. Est-ce qu'on peut faire un prélèvement et l'étudier? T'as pas vraiment d'équipement, mais si tu prends le temps de faire quelque chose... En tout cas, pour Arthur, par rapport à toute sa connaissance médecine, un peu ses bases, il sait qu'une façon aussi de véhiculer quelque chose, c'est d'avoir un point un patient zéro, quoi, un point zéro. Que Mathilda, elle passait voir tout le monde pour donner de la potion revigorante. Que quand vous avez été accueilli dès le départ, Mathilda était venue et vous a touché. Mmh. Donc potentiellement, un des modes de transmission, c'est que Mathilda contaminait les, tout le monde, en fait. Oui, mais comment on décontamine, du coup? Parce que ça ne nous dit pas la source de... Est-ce que c'est un truc qui disparaît avec le temps? Ou est-ce que... Déjà, comment elle faisait pour être immunisée? Et ensuite, est-ce que ça disparaît avec le temps? Bah... T'avais comment d'investigation, là? Non, vous n'avez pas fait d'investigation, vous avez fait détection de la magie, ok. On a fait... ouais. Ouais, ouais, bah, il faut faire après une investigation, quoi. C'est l'investigation, ça, il faut réfléchir. Allez, l'investigation. Question fouillée. 11 plus 5. Ouais, vraiment, à tous, en cherchant, il y a plusieurs trucs qui ont l'air de converger, en tout cas, dans ce que vous voyez, c'est que elle passait tous les jours, tout ça, donc il y a un indice qui vous dit qu'a priori, ça va, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, quoi. D'accord. Ça va disparaître. Si on ne le réadministre pas régulièrement, ça va disparaître. Effectivement, elle n'était pas contaminée, et pourtant, elle avait aussi la marque. Donc, il y a l'air d'avoir une sorte de mélange peut-être entre du poison, de l'illusion, plusieurs choses combinées quoi. Donc ça demande un peu de matos. Bah c'est pour ça, mais on n'a rien trouvé sur elle. On n'a rien trouvé sur elle, on n'a rien trouvé dans la maison du... C'est qu'elle fait ça ailleurs. C'est qu'elle fait ça ailleurs, mais où? Elle n'est pas chez elle, pas dans la maison du gardien. Il y a un autre endroit où elle allait? Si vous passez du temps à faire de l'investigation avec les gens du village, on va accélérer. On va dire que personne ne voyait de particulier, sauf quand elle allait chercher ses plantes, un truc comme ça. Donc il faut aller dans la forêt. Vous êtes assez malin aussi pour vous dire que, en ayant compris le fonctionnement du panneau de contrôle, elle pouvait très bien utiliser le panneau de contrôle, aller à l'étage et installer des choses, puisque clairement il y a la même disposition à l'étage, il y a aussi un bâtiment de réception, tout ça. Donc ça se trouve, elle a fait un atelier là-haut. Ah ouais. Ah oui. Et il y a un puits aussi, tout ça. En ce moment que le maître du jeu, il est sympa quand même pour nous donner les réponses. Oui, parce que... On va dire que ça consomme ton point d'aspiration, si tu veux. Ouais, voilà, disons ça. De toute façon, je n'avais même pas noté, donc on est bon. Faisons ça, alors. Tanel va manipuler le monde charge. Mm-hmm. Et du coup, est-ce qu'il est obligé de rester en bas ou il peut faire ça Ce que vous pensez, c'est qu'il y a un panneau de contrôle en haut et en bas. Oui, mais non, mais... Mais est-ce que lui, il doit être devant les runes pour pouvoir les manipuler pendant que nous, on est sur la plateforme pour qu'il non, se lève? Non, a priori, une fois que les runes sont activées, ça monte tout seul, quoi. Donc du coup, est-ce qu'il a le temps de faire ça et ensuite de courir? Oui, bien sûr, oui, okay. C'est à côté de... Oui, tout à fait, ouais. Il a largement le temps de lancer la commande de contrôle et que le... Ouais. Faisons ça. Allons okay. Tout en haut. Donc la plateforme se lève, effectivement. Comme par magie, mais c'est de la magie. Et vous partez dans ce puits à l'inconnu, et vous arrivez à l'étage, disposition similaire, mais inversée. Donc, une fois que la plateforme en fait se stabilise, là aussi vous voyez un couloir devant vous avec des. Enfin, d'ailleurs, vous voyez pas parce que c'est dans le noir, mais vous détectez. Et enfin, Cave, elle voit un peu le doute. Oui, il y a l'air d'avoir la même disposition. Devant nous, un couloir avec des torchères éteintes. Et sur la gauche, je vois le panneau de contrôle et une sorte de zone qui est au-delà de ma vision, mais qui a l'air d'être ouverte.
Il n'y a pas l'air d'avoir de porte, mais il y a l'air d'avoir une zone un peu plus grande derrière, même type que ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Et est-ce qu'elle voit des torchères au... Il y a des torchères, mais tout est éteint. Ben, Tanel va tout allumer. Il allume lesquelles? Celles qui sont du côté qui seraient vers la sortie ou qui viennent vers l'intérieur du bâtiment, entre guillemets, vers la zone Les deux. On va commencer par celles qui sont vers l'intérieur du bâtiment parce qu'on cherche le laboratoire. Donc il doit être vers l'intérieur du bâtiment. Ouais, donc effectivement, donc c'est juste à côté du panneau de contrôle, c'est les premières tours. Donc il allume les torchères. Donc ça éclaire un peu le début d'une pièce, effectivement, qui a l'air du même volume que celle en bas, sauf qu'il n'y a pas de chambre que ça. Ça va être une sorte de grande zone type entrepôt, avec des tables, et à d'avoir des choses sur les tables. Mais les premières torchères n'ont pas permis d'avoir plus. Et vous voyez aussi, assis, entre guillemets, il y a une sorte de table et tout, il y a des créatures qui étaient tout simplement en train de... Peut-être de papoter ou de discuter entre elles, quoi, et qui tournent la tête devant ces lumières et tout ça, qui s'allument et voilà. Alors. Des créatures qui ressemblent à quoi? Comment dire? Il y en a une qui est humanoïde, type humaine. L'autre en face, humanoïde, mais type. Avec une peau plutôt écailleuse, type serpent. D'accord. Très pâle de visage. Enfin, de peau. La peau écailleuse. C'est pas trop, mais celle humanoïde, entre guillemets, pâle, habillée de façon militaire, et à leurs pieds, enfin, en tout cas à côté sur un banc, en train de somnoler ou autre, deux sortes de gros chiens. Ok. Qui aussi se dévoilent. Donc, init. Malgré la fouille et les découvertes très intéressantes des lettres, la discussion avec le maire du village, il semblerait que nos amis soient dans une impasse. À moins que la solution soit dans ce bâtiment au premier étage. Et nous voilà encore une fois au milieu d'un combat. Que va-t-il se passer? Comment vont-ils s'en sortir? Vous le saurez dans le prochain épisode. En attendant, amusez-vous bien, laissez-nous des avis ou des commentaires, suivez nos actualités sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet indurolis.net. Amusez-vous bien. Et bon jeu !